Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde sur ce webinaire organisé par l'Association des parents d'élèves Roger Salengro qui a créé l'événement Trotte Ensemble, qui est un événement solidaire et responsable. Donc ce soir, on va pouvoir échanger avec Madame Gros et Madame Brancard de la Fédération française DIS, qui vont nous présenter l'association et les différentes actions. Je vous laisse la parole et puis je vous remercie surtout pour vos interventions pour ce soir. Merci Monsieur Benoît, et je voudrais remercier également de vous remercier l'ensemble des parents d'élèves de nous avoir invités à cet heureux événement et de pouvoir présenter la Fédération française EDIS. Alors, nous rassemblons plus de 150 associations sur l'ensemble de la France. En clair, par exemple, sur le département du Nord, il y a 2 ou 3 associations. Le Pas-de-Calais, idem. Dans le 02, dans l'Aisne, 1 ou 2 associations, vous voyez, et dans l'Oise également. Donc, on retrouve toutes ces informations sur notre site fm10.com, là, fm10 près de chez vous, et vous trouvez les coordonnées des associations locales qui sont soit plus spécialisées sur la dysphasie, le trouble du langage oral, la dyslexie, les troubles du langage écrit, que ce soit la lecture ou la dysorthographie, qu'on connaît bien. Et ensuite, les troubles du développement de la coordination est communément appelé dyspraxie. Donc, notre champ sont ces 3 dys, on va dire, mais évidemment, il y a la dyscalculie ou le TDAH qui peut être combiné également avec tous ces troubles, puisque rien n'est simple chez les dys. Donc, la fédération, en quelque sorte, elle a pour but d'être finalement, quand on va voir les agences régionales de santé, quand on va voir le recteur, être le porte-parole de l'ensemble des associations. Donc, on est fédérés pour ne pas y aller de manière divisée, mais plutôt unis pour demander la même chose. Donc, une fois qu'on est bien calé, on va dire en interne et politiquement parlant, on peut dire, ben voilà, nous avons besoin de ça pour la santé, par exemple un diagnostic précoce, l'accès aux soins remboursés pour les ergothérapeutes, le neuropsychologue. Donc voilà, c'est nos revendications. Ça fait 20 ans qu'on répète la même chose, mais à la limite, en les répétant, on y arrive, on espère y arriver. Pour la scolarité, c'est la même chose. Par exemple, pour votre département, on a aidé des familles qui n'arrivaient pas à avoir les aménagements aux examens, au brevet ou au bac, par exemple. Donc, ça nous remonte au niveau national. Quand le terrain n'y arrive pas, bien sûr, que les parents d'élèves ont essayé, enfin, tout le monde y a essayé. Et quand on n'y arrive pas, au national, on remonte un peu plus haut pour mettre, pas de la pression, mais exercer les droits des personnes. Idem pour l'emploi, parce que nos troubles ne s'arrêtent pas à 18 ans ou après le bac. Quand la poursuite des études en supérieur, évidemment, les jeunes ont encore besoin d'aide. Et puis, au moment de l'emploi, également, ils ont besoin de postes adaptés. Je prends l'exemple d'un dyslexique qui aurait besoin d'un correcteur d'orthographe. Et selon les employeurs, vous savez, vous avez pas des spams, mais des blocages. Il faut autoriser le système informatique de sécurité à installer tel ou tel logiciel. Ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'adaptations dans l'emploi qui sont nécessaires. Et on a un quatrième pan qui est important, c'est l'Europe. En gros, on a des actions de lobbying au niveau de la Commission européenne parce que, vous savez, tout simplement, quand l'Europe pousse la France à décliner des directives, en gros, et c'est important de faire le lobbying au bon endroit, notamment pour le droit des personnes. Souvent, on sait que l'Europe a bien poussé la France sur la loi 2005, par exemple. Ce n'est pas venu comme ça. Les Français ont décidé d'écrire la loi 2005. Donc, l'Europe. Et pour cela, pour l'ensemble de nos activités, puisqu'on est un peu organisé par pôle, il y a un responsable de la santé, un responsable de la scolarité, c'est Laetitia Brancière qui est là, connectée, qui est vice-présidente en charge de la scolarité et du numérique. L'emploi, c'est exactement la même chose. On a un comité scientifique
qui réunit des professionnels, c'est-à-dire neurologues, mais également des paramédicaux comme orthophonistes, ergothérapeutes, des chercheurs. Donc, c'est pluridisciplinaire. Également des personnes qui travaillent autour de l'éducation, parce que c'est important l'éducation. Un trouble 10 veut dire en gros trouble spécifique des apprentissages et du langage. Donc, quand on dit apprentissage, on pense spontanément à l'école. Donc, ce comité scientifique, il est là pour aussi mettre le cadre, permettre finalement d'émettre des avis, des recommandations. Et tout ça est visible sur notre site internet quand ils émettent un avis. Alors, par exemple, ils peuvent mettre un avis sur le contenu de la formation des enseignants quand les SP se sont créés à l'époque. Déjà, on avait insisté pour qu'il y ait des heures dans les modules de formation des enseignants pour que les enseignants soient formés au trouble 10. Donc, c'est toujours d'actualité. Peut-être qu'un jour, on va y arriver. On a espoir. Mais, je veux dire, tout ça pousse en ne faisant pas que la parole des parents, mais l'ensemble d'une communauté qui fait consensus. Et là, ça nous donne une force non négligeable. Alors, on est connu, notamment pour la journée nationale des disques. Vous avez toujours peut-être entendu parler. Alors, c'est un jeu de mots. Hein. Le mot 10, c'est comme le chiffre 10, on dirait. 10, ça commence par D-Y-S. Et le 10-10 de chaque année, il y a une journée nationale des 10 dans toute la France. Voilà. Donc, il faut retenir. Cette année, c'est le samedi. Alors, vous habitez Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, même dans le Nord. Il y a forcément une journée des 10. L'année dernière, il y en avait une à Saint-Quentin, mais aussi dans l'Oise. Il y a des petits moments de regroupement, que ce soit parents, professionnels de l'éducation, professionnels de la santé. Institutionnellement, c'est un rendez-vous annuel où on se parle, soit sous forme de table ronde avec les parents dans la salle, où des professionnels peuvent répondre à leurs préoccupations, on va dire. Voilà. Donc, la journée nationale des 10, c'est le 10-10. Et cette année, on a innové. On a fait une nuit des 10, c'est-à-dire au lieu de faire ça en journée le 10-10, on a calé cet événement dont la pub est derrière moi d'ailleurs, si on peut appeler la pub. Ça s'est fait le 15 mai et on a commencé à 17h pour finir à 1h du matin. Alors, c'est un événement qui avait pour but justement, quand vous n'habitez pas dans une grande ville ou dans la ville où finalement se construit la journée nationale des 10, on s'est dit, mais il y a des gens qui sont éloignés des grandes villes, qui n'accèdent pas à ces fameuses conférences où on peut partager avec des professionnels. Et donc, de faire une nuit à travers le web permettait aussi de rendre accessible à tous facilement l'information qui doit être accessible à tout le monde. Alors, vous avez toutes les vidéos, à peu près 16 vidéos sur le site internet accessibles, gratuitement, bien sûr, tout ça est gratuit, qui permet d'avoir des astuces sur l'accessibilité. Par exemple, on n'a pas traité que l'accessibilité numérique, mais l'accessibilité au sens large cette nuit-là. Très astuces, comment je fais moi professionnel orthophoniste, comment je fais moi ergothérapeute, comment je fais moi enseignant, voilà, comment un éditeur, comment il conçoit l'accessibilité de ses livres, mais également des chercheurs qui se sont exprimés à travers Mila, qui est quelque chose qui est en libre d'accès pendant le confinement et qui va se poursuivre d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose à découvrir, nuitdes10.com, vraiment, et qui est accessible. Voilà, en gros, nous, on est des militants, bénévoles, et on porte la parole des jeunes et des familles au plus haut niveau, s'il le faut. Et tout le monde a droit à ces aménagements, a droit à être reconnu avec ses troubles, quel que soit l'endroit où il se situe. Voilà. En gros, pour planter le décor de la Fédération française des 10. Alors, moi, j'aurais juste une petite question pour vous. Alors, comment vous expliquez que du grand public, on va dire, ces troubles 10 ne soient pas assez connus et reconnus? Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que
Je ne sais pas si vous savez depuis quand les troubles 10 sont connus en France. Est-ce que vous avez une petite idée? Pour ma part, non. Ben, ça fait seulement 20 ans. En 2001, il y a un plan langage. Ringard, Jean-Charles Ringard pour l'éducation nationale et le docteur Weber qui se sont mis autour de la table et qui ont dit stop au préjudice que subissent tous ces enfants-là, qu'on pense qu'ils font exprès de ne pas bien apprendre à lire, de ne pas bien écrire, de ne pas bien faire à l'école, tout simplement. Et donc, c'est parti en 2001. En 2002, les centres de référence, alors vous en avez un à Lille, vous en avez un à Amiens, dans toutes les ex-régions, en gros, hein, mais pas que, ont été créés pour poser les diagnostics. Puisque avant 2000, ça n'existait pas. Et surtout, ce qui existait, c'est le courant psychanalytique qui explique que papa et maman n'ont pas bien fait, ou maman, ou papa, ou qu'importe, le petit frère, la petite sœur, tout l'environnement est responsable du fait que vous n'aimez pas l'école. Mais tout sauf une organisation de votre cerveau qui fonctionne différemment, en gros. Hein. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les troubles 10, ce n'est pas dû à une lésion, c'est vraiment vous faites un IRM, votre cerveau n'a pas de lésion particulière, il fonctionne complètement, enfin il n'a pas de traces, sauf qu'il ne fonctionne pas pareil. Il en prend, au lieu de prendre une autoroute pour lire, il va prendre une départementale, donc c'est beaucoup plus long, il va prendre beaucoup plus fatigable. Mais pour autant, son intelligence est complètement indemne. Hein. C'est-à-dire qu'on est face à des jeunes qui sont tout à fait, comment dirais-je, avec un QI qui est normal. Voilà. Donc, 2001, le point de départ. 2002, les centres de référence. 2003, création des réseaux de soins. Vous avez NeuroDev dans le Nord. Mais pas que, vous avez d'autres réseaux 10 à Marseille. Occitadis, le petit dernier à Toulouse, un petit passage comme quoi les réseaux peuvent se créer. Alors, un réseau de soins, c'est un réseau de professionnels en libéral qui se coordonnent pour pouvoir poser le diagnostic. On n'est peut-être pas obligé de passer systématiquement à l'hôpital pour poser un diagnostic de 10. Voilà. Donc, c'est connu, de plus en plus connu. L'éducation nationale fait des efforts. Ça, il ne faut pas non plus les enseignants, quand ils connaissent, ils peuvent être très bienveillants. Mais quand on ne connaît pas, on pense que les enfants font exprès. Et ça, c'est catastrophique. Dans les années 2010, il se disait que quand un élève rentre à l'éducation, dans les mains de l'éducation nationale, à l'école, il ne doit pas en ressortir complètement cassé. Il ne fallait pas fragiliser, il faut arriver à faire apprendre ces jeunes. Pourquoi ? Pour les insérer, pour qu'ils trouvent un emploi et pour qu'ils ne soient pas chômeurs, en gros. Hein. Il y en a beaucoup qui sortent sans diplôme, donc même pas un CAP, rien du tout, en sachant lire difficilement. Notamment dans votre région, ce n'est pas facile parfois quand on habite loin des grandes villes, mais pas que votre région. Hein. Il y a un désert médical qui fait que la rééducation n'est pas accessible. Et contrairement à ce qu'on pense, les enseignants ne peuvent pas s'en débrouiller tout seuls de s'y trouver. Il faut de l'orthophonie pour la majorité des 10. Pas que l'ergothérapeute pour la dyspraxie. Voilà. La relaxation ne marche pas pour les dyspraxiques. Hein. Ils ne sont pas crispés quand ils veulent écrire, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à écrire, certains. Non, la relaxation, ça ne marche pas. Il faut trouver d'autres voies de contournement pour arriver à s'en sortir. Donc, ça fait 20 ans. Moi, je dis que moi, je suis personnellement, j'ai bénéficié de tout ce militantisme qui est venu des parents, hein, faut le dire, avec des professionnels qui ont accompagné les parents pour pousser en disant ils ont raison, il faut y aller. La loi 2005 a également enfoncé le clou sur le droit à la compensation et les 10 ont existé. On est dans le champ de l'handicap cognitif. Hein. Donc il n'y a pas de souci, on est reconnu en situation de handicap. Et donc tout ça a fait que les jeunes
certains qui ne pouvaient pas accéder à l'école ordinaire, hein, si on peut appeler ça l'école du quartier, a pu enfin accéder avec des aménagements, puisqu'ils avaient droit à la compensation, c'est-à-dire les premiers droits qui ont été dans les années 2000, c'est juste le droit d'avoir une ABS, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est les AESH, donc de l'aide humaine, pour, dès le plus jeune âge, pour les accompagner dans leur scolarité. C'est un exemple, hein. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, il y a eu quand même beaucoup de textes. Quand vous prenez les textes en France, vous vous dites que ce n'est pas normal que les 10 aient des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de millefeuilles administratifs qui font qu'il faut quand même avoir fait, il faut le dire, hein, Bac plus 10 pour comprendre quels sont vos droits. Quoi. Une fois que vous avez rempli le dossier, que vous allez voir tous les médecins, qu'il vous faut le tampon, et après vous vous rendez compte qu'il faut le recommencer parce qu'en fait, les bilans sont trop anciens. Vous voyez le truc, hein. Donc, il y a des parents qui disent qu'au bout de la première année où ils ont monté un dossier à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, ils en étaient épuisés. Et une fois que vous avez votre document, vous dites « bon, j'en ai pour 3 ans, là, bon, ça va ». Et puis, vous recommencez comme si les troubles allaient disparaître du jour au lendemain. Nous, on dit qu'ils s'atténuent, mais ils ne disparaissent pas. Vous naissez 10 et vous vivrez toute votre vie avec. Ça, ça reste. Voilà. Il faut toujours être dans la compensation. Peut-être un focus sur Laetitia, sur l'école, qui est l'endroit le plus dur pour les 10. Hein. Faut le reconnaître, c'est l'endroit où on a beaucoup de mal. C'est vrai que c'est l'endroit où se fait le constat de la dyslexie, par exemple. Alors, il y a d'autres troubles comme la dysphasie dont on peut se rendre compte plus tôt, puisque la dysphasie, ça va être le langage oral, cette difficulté à la fois à parler correctement, de façon fluide, et aussi à comprendre, à avoir un stock de vocabulaire assez important pour pouvoir échanger et comprendre ce qu'on dit. Ça dépend, il y a différents types de dysphasie. Donc souvent la dysphasie, on peut la repérer avant, même à la crèche ou en maternelle. Il y a des expérimentations, hein, comme à Paris, l'expérimentation par les bambins, par exemple, qui s'est basée sur des enfants à la crèche. La dyslexie, c'est vraiment l'école qui est le point d'entrée, parce que c'est l'entrée dans l'apprentissage de la lecture qui va révéler la dyslexie. C'est vraiment quand on veut, pour la plupart des enfants, c'est un problème de dyslexie qu'on dit phonologique, c'est-à-dire c'est la confrontation à la correspondance entre les lettres et les sons qu'elles procurent, graphème, phonème, c'est-à-dire que vous allez avoir un problème de sonorisation de ce qui est écrit. Un exemple tout bête, quand vous montrez à un enfant la lettre B et la lettre A et vous essayez de joindre les deux lettres et de lui dire ça fait quel son, donc le son bas, pour un enfant dyslexique, ça n'a rien d'évident. C'est absolument pas une évidence et il a même du mal, et même s'il va le découvrir et le répéter, il ne va pas l'automatiser. Donc, grande difficulté pour entrer dans la dyslexie qui se fait par cette voie d'assemblage au début de décodage. Et puis après, quand on devient un lecteur un petit peu habitué, quand on n'a pas de difficulté, il y a des mots qu'on va photographier et on va avoir un accès direct aux mots comme ça parce qu'on l'a automatisé. Il y a des 10 qui ont ces problèmes phonologiques, d'assemblage, et puis qui ont aussi ce problème d'accéder directement à la lecture. Du coup, très vite, ils vont être en décalage pour apprendre à lire, ils vont être en décalage pour comprendre. Et c'est étonnant parce que pour les enseignants, c'est difficile à percevoir parce que je parle des dyslexiques. Ils n'ont pas de problème à l'oral. C'est des gamins qui se débrouillent bien à l'oral, qui ont du vocabulaire, qui ont envie d'aller à l'école, qui ont envie de faire des choses et ils sont face à un mur quand ils sont face à l'écrit. Les enseignants peu formés, mal formés, ne sont pas tous en mesure d'avoir les signaux d'alerte pour dire tout de suite aux parents qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a eu des difficultés avant, est-ce que vous n'iriez pas voir un orthophoniste. Quand on a fait des statistiques au niveau de la FF10, quand on a fait des enquêtes sur repérage, diagnostic, dépistage il y a un an ou deux, on s'est aperçu que pour la dyslexie, la date moyenne
d'identification par un dépistage avec un professionnel de santé, c'est 10 ans. Vous vous rendez compte, entre l'entrée en CP 6 ans et une moyenne à 10 ans, comment ces enfants peuvent être en grande difficulté. C'est pour ça que quand vous nous offrez la possibilité de parler de ces troubles invisibles au plus grand nombre, hein, trouver un espace pour en parler, nous on saute dessus parce que il y a encore, bien que depuis 2000, les années 2001 ou 2002 avec le plan langage, il y a eu une évolution. Nous, on a dans toutes nos associations régionales, départementales, locales, des familles en grande déshérence qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui sont, alors les dyslexiques, il se trouve que souvent ce sont des familles de dyslexiques. Vous avez plusieurs dyslexiques dans une famille, c'est génétique, donc vous allez être face à des parents qui eux-mêmes ont été en exclusion scolaire, qui ont eux-mêmes des difficultés pour faire lire leurs enfants le soir. Donc, on a vraiment besoin de se soutenir dans les associations et nous, de faire vraiment de la sensibilisation sur les signes d'alerte, les signes de repérage, les prises en charge. Donc, Nathalie vous en a parlé, on s'est vraiment battu pour qu'il y ait des prises en charge sans que les parents aient de sommes à payer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait gagné puisque les bilans sont, à part le bilan orthophonique qui est pris en charge quand vous avez une ordonnance de votre médecin, les autres bilans sont quand même assez coûteux. Nathalie pourra y revenir. Hein. Il y a une évolution depuis cette année sur ce projet-là. Mais on a aussi à sensibiliser sur les adaptations pédagogiques, sur les compensations qu'on peut mettre en place pour ces apprenants, pour tous ces élèves, du plus petit aux adultes, à l'université, dans le monde professionnel, parce qu'on s'est aperçu qu'au XXIe siècle, il y avait des aides techniques, il y avait des logiciels, il y avait des applications qui pouvaient soit faire à la place, compenser, c'est-à-dire je ne sais pas écrire, je peux parler à mon ordinateur, il va écrire à ma place, ou bien des applications qui vont permettre de remédier, de vérifier, d'accompagner. Par exemple, on peut avoir des logiciels qui permettent de mettre en valeur de l'information pour qu'on la lise mieux, avec des surlignements, avec une colorisation des syllabes, avec une ligne sur deux ou sur trois coloriées en fonction du trouble. On n'a pas parlé encore de la dyspraxie, mais c'est un trouble qui va être compliqué aussi pour rentrer dans la lecture, même si c'est un trouble qui va concerner plus le geste. Il va y avoir le geste visuel et pour prendre en charge une lecture, il y a des choses que les dyspraxiques n'arrivent pas à faire correctement si on n'adapte pas les supports qu'ils ont à lire. Donc, il y a des outils pour ça qui vont vous lire le texte à votre place et qui vont vous mettre en valeur l'information de façon à ce que vous puissiez vous l'approprier. Donc, on essaye de faire de la sensibilisation là-dessus. On fait un gros travail aussi avec le ministère de la Culture sur l'accessibilité du livre pour favoriser tout ce qui va être livre audio. Et on travaille avec les organismes adaptateurs. Et Nathalie vous parlait des avancées et des lois qui ont fait que petit à petit les choses se mettent en place en France aussi. Dans tous les pays européens depuis 25 ans à peu près, il y avait un accès aux livres pour les 10 qui était très intéressant. Nous en France, on a une loi depuis 2016 qui permet à toutes les personnes empêchées de lire sans être dans le champ du handicap. Avant, il fallait avoir 80% de handicap pour avoir accès à ces organismes spécialisés qui peuvent vous fournir un livre audio ou vous fournir un livre au format numérique. Depuis 2016, si vous montrez que vous êtes empêché de lire avec un bilan orthophonique, un bilan orthoptiste ou même certaines bibliothèques acceptent des déclarations sur l'honneur, vous pouvez avoir, par exemple, tous vos manuels scolaires en livre audio, des choses comme ça. Donc, on a plein de chantiers, aussi bien sur la scolarité, mais sur tout ce qui est autour la culture et qui porte sur, finalement, l'accès au savoir, l'accès à la culture. Et en tout cas, ce qu'on vérifie depuis des années, notamment à travers nos journées des 10, c'est que des jeunes qui sont accompagnés, et les parents sont souvent très volontaires pour ça,
souvent les jeunes nous disent, si j'avais pas eu mes parents, j'y serais pas arrivée. Quand un jeune est, quand des enfants, des jeunes sont accompagnés, ils arrivent à faire des poursuites d'études, des fois très intéressantes, brillantes, enfin qui leur correspondent, et ils arrivent à s'insérer professionnellement. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Il ne faut pas exclure ces personnes-là, comme ça a été longtemps le cas, qui ne faisaient pas de poursuite d'études, qui faisaient souvent des métiers manuels, non spécialisés, alors qu'ils avaient souvent de grandes compétences et qui passaient un petit peu à côté de leur vie et qui étaient souvent malheureux. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie déjà pour votre intervention. Bon, on va peut-être pouvoir passer du coup à une séquence questions-réponses, puisqu'on a plusieurs questions qui ont été posées par les différents participants. Donc on a une question de Valérie Vignet, donc qui demande: comment trouve-t-on des professionnels spécialisés et disponibles? Alors, c'est la fameuse question dès le départ, hein, de la santé, du monde de la santé. Donc, juste pour revenir en arrière, quand en 2002, les centres de référence sont créés, 3 ans plus tard, il fallait 13 mois pour avoir des rendez-vous. Donc, il y a une chose que je n'ai pas dit d'entrée, c'est combien on représente de personnes, entre 8 et 10% de la population. Donc, vous imaginez le million de personnes et par tranche d'âge qui peuvent... se rajouter dans les listes d'attente de ces endroits-là, qui sont des endroits étiquetés, spécialisés pour poser les diagnostics. Il y a un tiers des personnes qui atterrissent dans des endroits qui sont plutôt des généralistes et qui ne sont pas compétents. Vous perdez votre temps, en gros, hein. Donc, vous voyez une fois par mois un psychiatre, hein, qui vous raconte sa vie et la vôtre en même temps. Donc, je ne les nomme pas parce que je ne veux pas les stigmatiser. Donc, vous devinerez. Donc, pourtant, ils sont à proximité des endroits de vie et surtout, c'est que tout est pris en charge. Il n'y a pas de reste à charge pour les familles. Donc, ensuite, si vous vous retrouvez dans une région où il y a un réseau de soins identifié 10, donc par exemple en Île-de-France, c'est le réseau TAP, et dans le Nord, c'est le réseau NeuroDev. Donc, soit vous appelez le centre de référence en espérant pouvoir avoir une information sur un médecin qui a suivi un parcours, qui a les compétences pour faire une synthèse médicale. Et ensuite, il faut que vous trouviez une orthophoniste, enfin plusieurs intervenants de la santé pour pouvoir avoir une démarche diagnostique et réaliser des bilans. Vous voyez ? Donc, en règle générale, quand on téléphone à un réseau, il va vous donner, par exemple, dans votre département à tel endroit, vous avez 4 ou 5 professionnels qui sont dans le réseau. Vous voyez, ils n'ont pas le droit d'afficher le nom des professionnels, mais ils peuvent vous aiguiller en disant, là, vous habitez pas loin, il y a 2 ou 3 médecins qui peuvent vous recevoir. Vous voyez, mais comme je le disais en préambule, tout est très long, hein, ça fait au moins 15 ans qu'on sait que tout est saturé, qu'il y a une volonté, on va dire, nationale d'améliorer ce parcours. Donc, la Haute Autorité de Santé, la HAS, communément appelée, a publié un guide en janvier 2018 pour justement dire qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le parcours des 10. Donc, pour trouver des professionnels, l'idéal, c'est d'appeler les centres de référence ou les réseaux de proximité, hein, réseau 10, hein, etc., pour trouver des solutions. Par rapport aux questions qui sont posées, je viens de répondre à une question sur le TOEIC, qui est une certification qui est demandée dans certains cursus, notamment dans les grandes écoles. Il faut savoir que c'est un combat qu'on mène à la FFIS parce que si la langue française est une langue compliquée parce qu'un peu irrégulière, la langue anglaise est une langue extrêmement compliquée, même pour les Anglais eux-mêmes, qui sont sur des affichages de population 10 bien plus importantes que nous, hein, puisque l'éducation nationale affiche 25%, et qui, dans chaque établissement, il y a des structures spécifiques pour prendre en charge les 10. Donc, le TOEIC, c'est, en anglais, c'est
C'est une certification qui déjà ne repose pas sur la compréhension de la langue et qui est très complexe. Il y a des scores qui sont impossibles à atteindre pour des 10. On connaît de nombreux ingénieurs qui ont eu toutes leurs UE évaluées, qui ont eu des notes dans toutes les disciplines et qui ne sont toujours pas ingénieurs au bout de 3 ou 4 ans parce qu'ils repassent chaque fois le TOEIC, qu'ils payent chaque fois. Il y a des lobbies derrière, hein, c'est une certification payante. Il n'y a pas de justification de prendre celle-ci ou celle-là, c'est une question de lobby. Et à un moment donné, les institutions ont choisi celle-là, surtout dans le monde, en lien avec le monde de l'entreprise. On a réussi avec des recours auprès du défenseur des droits et des recours au tribunal administratif à faire en sorte que les grandes écoles signent une charte pour ne plus exiger cette certification. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le Cambridge Test. On peut s'appuyer aussi, si on n'arrive pas, à d'autres types d'évaluations qui correspondent au niveau de la personne qui la passe, si on s'appuie sur ses bilans. Donc, c'est une exigence depuis 4 ou 5 ans, mais beaucoup d'écoles n'appliquent pas encore cette charte. Donc, nous, on le fait savoir régulièrement. Cependant, on est encore en train d'accompagner une famille d'une école d'ingénieurs de Tarbes aujourd'hui parce que les parents sont obligés d'aller au tribunal administratif parce que l'école ne respecte pas la charte. Voilà. Après, il y a une question sur la RQTH, la reconnaissance travailleur handicapé. On l'a dit, hein, on est 10, on reste 10, donc on va retrouver à l'âge adulte, quand on a fini la scolarité, des adultes qui vont avoir besoin d'aménagement du poste de travail. Et dans ce cas-là, ce qu'on propose, nous, c'est vraiment, dès qu'on sait qu'on va rentrer, qu'on va être en insertion professionnelle, de demander une reconnaissance de travailleur handicapé pour que l'entreprise ait les moyens de mettre en place un aménagement du poste. Cette reconnaissance va permettre à l'entreprise, par exemple pour des apprentis, d'avoir des aides à l'embauche. Elle va permettre à des jeunes qui veulent s'insérer d'aller sur des sites spécialisés réservés aux personnes en situation de handicap. Ça va leur permettre même de trouver des stages en alternance, hein, comme emploi par exemple, des sites de ce type-là. Et ça va permettre de passer dans le monde de l'entreprise privée par l'AGFIP, pour l'aménager le poste, et dans le monde de l'administration par le PIHP. Ce sont des aides qui vont permettre d'équiper du matériel informatique, par exemple, d'acheter des logiciels ou d'autres types d'adaptations qui seraient nécessaires. Et encore une question sur le TOEIC. Hein. Que la charte pour le TOEIC est valable aussi pour le projet Voltaire, pour le test français. Alors, pour le projet Voltaire, c'est aussi une certification, mais je ne sais pas si elle est exigée comme le TOEIC. Toutes ces certifications, forcément, ne vont pas correspondre à tous les élèves. Moi, je sais que pour Voltaire, on a des établissements qui l'ont acheté parce qu'il y a tout un projet autour de Voltaire pour dire que ça va faire monter le niveau en orthographe de toute la classe. Ce que me disent les profs avec lesquels je travaille, c'est que même ceux qui ne sont pas 10 ont des difficultés et que c'est absolument pas adapté pour les 10. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait le même travail sur Voltaire que sur le TOEIC, mais on a tellement de remontées négatives qu'on s'y intéresse. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le fil. Là, normalement, il y a une autre question. Donc, que faire si le directeur de l'école primaire ne veut pas faire de PAP? Alors, normalement, le directeur ne doit pas refuser de faire un PAP. C'est bien prévu par la loi. Si jamais il y a vraiment un refus, il faut savoir qu'au niveau de chaque académie, il y a des conseillers pédagogiques déjà qu'on peut contacter qui sont en appui aux enseignants. Il y en a qui sont plus particulièrement dans le domaine de la difficulté et du handicap.
Et si vraiment il y a des blocages, il faut écrire à l'inspecteur d'académie qui lui trouvera les ressources pour que la difficulté soit prise en charge. La loi de 2013 précise bien qu'à partir du moment où la difficulté est identifiée, il faut mettre en place au sein de l'école, sans passer par la MDPH, des aménagements pédagogiques. La grosse difficulté pour ce PAP, une fois qu'on a dépassé la volonté du directeur, une fois que le directeur a accepté de le mettre en place, c'est d'avoir la validation par un médecin de l'éducation nationale. Et vous le savez peut-être dans votre région, comme dans beaucoup d'autres régions, il en manque un grand nombre sur le territoire. En plus, ils ont énormément de dossiers, donc ils sont peu disponibles. Et on a des dossiers PAP qui sont bloqués dans certains départements, dans certaines académies, parce que les gens n'ont pas le temps. J'ai été en lien avec des enseignants d'un département cette semaine qui me disaient qu'ils ne peuvent plus avoir PAP parce qu'il n'y a plus de médecins scolaires pour leur valider. Donc, ils leur ont fait des PAP sur le papier, ils ont barré l'en-tête et ils ont mis PPRE à la place. Donc aujourd'hui, nous, en tant que FF10, on a fait remonter ces difficultés au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On espère qu'on va être entendu. Ça fait vraiment partie de nos discussions depuis 2015 que ce dispositif a été mis en place. Il y a eu un an et demi de démarrage à l'allumage un petit peu, ça a été un peu compliqué, les gens avaient du mal à s'approprier et on s'aperçoit qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours des endroits où les PAP ne sont pas pris en compte. C'est important tout de même parce que quand vous allez avoir une demande d'aménagement aux examens comme en troisième pour le brevet et après en poursuite d'études dans le secondaire, on va vous demander maintenant si vous avez un dispositif pour valider votre aménagement à l'examen. Avez-vous un PAP ou un PPS? Donc, quand il n'y a pas de PAP, en dehors du fait qu'on n'a pas les aménagements au quotidien qui nous permettraient de progresser, on peut avoir un blocage pour la passation des épreuves terminales. Donc, on va pouvoir répondre à une dernière question. Donc, doit-on attendre en fait le CE2 pour parler de dyslexie à l'école? Alors, oui. Je vais balayer tous les troubles 10 pour que vous compreniez à quel âge où se jouent finalement les signes. Sur le trouble du langage oral, la dysphasie, en principe, il y a des signes bien avant l'âge de 6 ans, puisque c'est un enfant qui apprend à parler, qui apprend sa langue maternelle comme si c'était une langue étrangère. Donc souvent, soit il y a un problème d'expression assez important et aussi de compréhension pour restituer, en fait. Hein. Donc ça, en principe, la dysphasie, on le trouve, ce trouble de langage oral, un peu avant 6 ans. La dyspraxie, le trouble de la coordination, développement de la coordination, pareil, on le trouve avant 6 ans. C'est un enfant maladroit, c'est un enfant qui n'arrive pas à faire ses lacets, qui n'arrive pas à faire du vélo, pour faire ses boutons. Enfin, et puis, dès les premiers dessins à la maternelle, le petit bonhomme, quand on essaye de dessiner un bonhomme, eh bien, il ne ressemble pas à un bonhomme. Voyez. Donc, il y a des signes. Et ensuite arrive effectivement le trouble de l'apprentissage de la lecture. Donc, celui-là, il s'installe. Même si il peut y avoir des signes en grande section avec un trouble du langage oral, enfin vous voyez, pas qu'un retard, hein, enfin il y a des petits signes qui peuvent être prédictifs, mais on peut commencer à parler de dyslexie après le CP. En gros, on dit toujours au premier trimestre du CP, en décembre, les enfants, quelle que soit la méthode, arrivent à lire. Et comme le trouble, ce n'est pas un retard, hein, il s'installe. Et quand il est installé, il a, on dirait, 2 ans de retard. Enfin, ce n'est pas du retard, c'est que le trouble est avéré. Ce n'est pas un simple retard. Donc, du coup, en CP, il y a quand même l'entraînement pédagogique de l'enseignant. Donc, il y a certains qui vont peut-être arriver à lire à la fin du CP. Au CE1, il n'y arrive toujours pas. Et là, il va falloir commencer à s'inquiéter. Donc, on a les fameux 2 ans. Et donc, du coup, pour certains, comme,
comme le temps de trouver une orthophoniste, d'y aller, etc., ça repousse au CE2, en gros, où on est sûr qu'il y a un trouble avéré. Donc, ce que dit le guide de la Haute Autorité de Santé, tout simplement, il dit qu'il faut que les enseignants fassent les aménagements pédagogiques pour apprendre à lire à l'enfant de manière un petit groupe, de l'entraînement, pour qu'on puisse ne pas envoyer tous les enfants qui n'arrivent pas à lire à la fin du premier trimestre vers l'orthophoniste. Parce qu'au passage, les centres de référence sont engorgés, mais les orthophonistes aussi. Parce que 10% de la population, vous imaginez, l'orthophonie, c'est que le soir, elles ont pas des plages horaires extensibles, puisque vous êtes censé aller à l'école en journée. Hein. Donc, du coup, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il faut que l'école joue ce rôle pédagogique par petits groupes. Vous avez, ce que je vous dis, ça fait 15 ans que certaines personnes l'ont mis, ont dit comment il fallait faire, c'est-à-dire par les bambins de Zorman à Grenoble, où il faut faire des petits groupes, entraîner, faire des choses un peu répétitives et voir si les enfants arrivent à lire ou pas. S'ils n'y arrivent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que la pédagogie ne suffit pas. Donc là, pour le coup, il faut consulter. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il faut vraiment avoir une démarche diagnostique. Hein. C'est-à-dire qu'un seul professionnel ne peut pas dire « il est dyslexique, hop ». Il y a bien tout un processus médical à respecter, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant entend bien, parce que si vous n'entendez pas bien, vous n'entendez pas bien les sons et vous n'apprenez pas bien à lire. Si vous ne voyez pas bien, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a sur la feuille, sur le livre, vous ne pouvez pas lire. Vous voyez, il faut vraiment regarder tous les aspects médicaux. C'est pour ça qu'il y a un médecin pour faire cette synthèse médicale. L'orthophoniste va tester plusieurs voies, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Le neuropsychologue va explorer les performances verbales, les performances de graphisme, va regarder les points forts et les points faibles. Il pourra dire cet enfant devrait apprendre normalement, mais il a effectivement un décalage sur tel ou tel point. Et l'ensemble de tous ces professionnels mis bout à bout permet de construire un projet thérapeutique quelque part. Est-ce que je dois avoir une, deux ou trois séances par semaine d'orthophonie? Un dysphasique, c'est trois. Pour un dyslexique, c'est une ou deux. Enfin, je veux dire, vous voyez. Et ça, ça se construit de manière pluridisciplinaire. Le parent, il ne va pas dire, moi, je prends un peu ça, un peu ça. Parce qu'au final, bout à bout, ça fait des emplois de temps où il n'y a même plus l'espace pour aller au foot, sauf le samedi, vous voyez. Donc, il peut y avoir deux ou trois intervenants. Et la priorisation, le nombre de séances et comment on les gère, c'est ces fameuses équipes ou le médecin qui oriente. Donc, CE2, oui. Et ensuite, après le CE2, plutôt vers le CM1, on a la dyscalculie qui arrive plutôt après 8 ans. Parce qu'évidemment, certains ont un trouble du langage écrit et également un trouble du langage, du calcul. Alors, le calcul, c'est embêtant. Hein. On disait, oui, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, on peut faire plein de choses sans les maths. Sauf que si vous n'avez pas la grandeur du chiffre, c'est peut-être embêtant pour acheter après. Vous voyez, il faut quand même que le chiffre vous parle. Hein. Et pour certains élèves, 100, c'est pareil que 1000, que 10. Et donc, ils n'arrivent pas à aligner pour être dyspraxiques. C'est embêtant de ne pas savoir calculer. Hein. De rien, pour un budget, par exemple. Voilà, ça peut être... Donc, rien n'est à apprendre à légère. Et donc, sur la dyscalculie, il y a certains orthophonistes qui savent rééduquer la dyscalculie, mais pas toutes. Pas toutes. Donc, c'est pour ça que de savoir exactement ce que a l'enfant, pour doser, pour trouver les bons intervenants, c'est le point de départ de tout. Il y a des parents qui vont voir tous les professionnels, qui juxtaposent, je vais prendre un peu de psychomote, parce qu'on m'a dit que psychomote, c'est bien, et puis voilà, et puis vous vous retrouvez avec un emploi de temps de ministre, et pas forcément efficace. Voilà. Donc la dyscalculie fait partie, dyslexie fait partie des troubles qui sont le plus retardés dans la pose du diagnostic, comme disait Laetitia Avrancia.
parce que tout simplement, la moyenne est autour de 10 ans. Donc, 10 ans, c'est juste un an avant le collège. Alors, ça me permet de vous dire qu'il y a des professionnels avec qui on travaille depuis X années, depuis le départ. Hein. Je vais la nommer, c'est Catherine Villat à Paris, qui est neuropédiatre, qui a fabriqué des batteries pour justement dépister et poser des diagnostics, enfin, débroussailler, pour les collégiens de 6e, 5e, parce qu'ils passaient entre les mailles. Hein. Pour les dyslexiques, effectivement. Parce que eux, pour le coup, ils peuvent passer le primaire et puis arriver en 6e, 5e, hein, c'est la cata, quoi. Madame Gros, je suis désolé, on va être obligé de terminer puisque 40 minutes ont été dépassées. On a de la chance, on est toujours en ligne. Juste déjà pour vous remercier, Madame Montière, pour votre intervention. Et juste une petite question, juste pour savoir à qui peuvent s'adresser en fait les différents participants pour vous poser d'autres questions par la suite, s'il faut qu'ils aillent sur le site de la fédération ou auprès des associations directement. Oui, ils peuvent aller sur contact FF10, hein, on a un contact et ils trouveront déjà sur le site de la FF10 des informations, on l'a relayé et sur tous nos réseaux sociaux. Ils peuvent aller sur le Facebook ou le Twitter de la FF10 et ça c'est pour relier l'événement, mais sur le contact FF10 on répond aussi à leurs questions. D'accord. Donc, autant que faire se peut, à savoir qu'on est tous des bénévoles et qu'on est très très pris, donc on essaye de répondre à toutes les questions. On n'y arrive pas toujours immédiatement et on n'a pas toujours toutes les réponses par rapport à des situations départementales qui sont différentes sur tout le territoire. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ces échanges très enrichissants et j'espère que les différents participants auront apprécié votre intervention. Et je donne rendez-vous donc à tout le monde ce week-end, donc les 27 et 28 juin pour participer au Trotte Ensemble, donc pour lesquels en fait les fonds récoltés iront une partie à la Fédération française 10 et à deux autres associations. Voilà. Donc je vous remercie à tous. Merci. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine. Et merci beaucoup merci d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt sur votre trottinette. Merci.